Bonjour, bonjour, je vais attendre le retour. Le retour visio pour avoir vos commentaires. Bonjour, installez-vous, installez-vous. Du coup, tu vas pas me dire quand est-ce que c'est les lives. Voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde. Faire glisser pour voir les commentaires. Oui, je veux voir les commentaires. Voilà, on va faire de la place. Bonjour tout le monde. Donc 7 jours, 7 lives. C'est parti pour le live numéro 4. Gros, gros, gros challenge hein, quand même d'assurer 7 lives tous les jours à 10 h du matin, de vous proposer des projets. De vous montrer ben, ce qu'on peut faire en fait avec pas forcément beaucoup de savoir-faire, juste avec quelques techniques. Donc je vous partage avec vous les tutos. Bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux qui nous regardent. J'espère que votre journée ben, ce sera douceur, que ce sera cocooning et que vous avez eu le temps du coup de préparer un bon petit repas ou un bon petit moment, rien qu'à à deux, ça fait toujours du bien. Donc je ne sais pas si Rosie va venir aujourd'hui. Rosie est très énervée ce matin, Rosie court partout. Donc peut-être que nous allons avoir l'apparition de Rosie, on verra bien. Donc pour aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, c'est la carte qui est multicarte. Donc je vous présente la carte multicarte. Une deuxième carte, une troisième carte, une quatrième carte. Et on revient au début. C'est super simple. Ça fait son petit effet. On peut mettre plusieurs messages un peu partout. Ça fait super beau le rendu final. Donc nous allons commencer du coup cette carte. Je vais me faire un peu de place. Je vous enlève mes petites roses. Je pensais aux amoureux. Je ferme la bougie au cas. J'éteins la bougie au cas où Rosie passerait par là. Et c'est parti. Tout d'abord, pour faire cette carte, il n'y a rien de très très simple, il faut juste être précis en fait. C'est tout. Il faut vraiment respecter les endroits des traits, les endroits des coupures pour que du coup le pliage et le dépliage se fassent facilement. Donc tout d'abord, j'ai pris deux morceaux de papier de 14 sur 10 cm. Moi, je suis venue jouer aujourd'hui avec la série de papiers royaux. Et en fait, c'est des petits morceaux de feuilles donc, que j'ai eu gratuitement hein, et de chez Stampin' Up. Et du coup, ben, j'avais déjà présélectionné ces morceaux-là. Et c'est pareil que les grands papiers design. En fait, vous avez un côté un motif et de l'autre côté un autre motif. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai un petit chat dans la gorge, hein, désolé. Donc, on a dit deux morceaux de 14 sur 10. Déjà, hop, on va faire 14. Hop, on garde le petit bout sur 10. Très précis, hein, je vous ai dit vraiment 14 sur 10. Mon premier morceau. Je fais pareil avec le deuxième morceau, 14 sur 10. Avec le coupe-papier, on n'utilise que la partie lame. Attention, ça coupe vraiment bien. Et la règle, elle est vraiment très précise. 14 sur 10. Donc j'ai mes deux morceaux de 14 cm sur 10 cm. Je vais prendre un morceau et je vais le mettre en mode portrait. Donc mode paysage, mode portrait. Donc les 10 cm sont en haut. Dans les 10 cm, je vais venir faire un trait. Donc une pliure à 2,5 cm de chaque côté. C'est parti. Donc je me place. Hop, et on n'utilise bien que la partie pliure. Je vais même mettre dans l'autre sens en fait. Vous avez, on a une règle aussi qui va de l'autre côté jusqu'à 3,5. Et du coup, j'aurai plus de facilité de tenir mon morceau pour être sûr qu'il ne bouge pas. Hop. 2,5 d'un côté.
2,5 de l'autre. Dans les 10 cm, on a fait une rainure du coup à 2,5, 2,5. Après, je vais venir pivoter le même morceau en mode paysage. Et là, je vais venir couper à 7 cm. Ces deux bouts-là, je vais les mettre de côté. On s'en sert après. Je reprends mon deuxième morceau de 14 cm par 10 cm. Là, je vais venir me mettre en mode paysage. Et je vais venir faire des traits, donc des pliures, à 3,5 cm de chaque côté. Donc, je peux toujours utiliser de l'autre côté puisqu'elle va à 3,89 par là. 3,5, je marque un premier pli. De l'autre côté, 3,5. Je marque mon deuxième pli. Ensuite, on va venir tourner notre feuille en mode portrait. On pourra avoir les 10 cm en haut. Et on va venir couper à 5 cm. Le but de cette carte, c'est vraiment d'être très, très, très précis, en fait. C'est ce qui facilite le dépliage, hein, le fait de pouvoir retourner la carte. Je range le coupe-papier pour l'instant. Donc, nous avons du coup nos deux morceaux qui se présentent comme ça. Le morceau où on a coupé dans les, à 7 cm dans les 14, on le remet en portrait. Je prends un des morceaux là que je mets de chaque côté. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre l'astuce du coup. On va venir coller. Donc là, vous avez le pli qui a été fait à 3,5 cm du coup dans les 14. Et il est là le pli. Et là, vous avez le pli qui a été fait dans le 2,5 à 2,5 dans les 10. Et on va venir coller sur la partie des 2,5 jusqu'à le trait des 3,5 de l'autre morceau. Donc on met de la colle que à ce niveau-là. Pareil en bas à gauche, en bas à droite et en haut à droite. Donc on met de la colle sur la partie des 2,5 jusqu'à hauteur des 3,5. Scotch, colle, après c'est vous qui voyez, scotch double face. L'autre, je l'ai fait avec le scotch double face. C'était pas mal aussi. C'est juste qu'il faut bien viser pour récupérer les opercules. Donc je mets en fait juste dans cette partie-là. Puis là, le fait de prendre la colle du coup à l'écran, vous voyez mieux les endroits où il faut venir en coller. Très simple, hein, cette carte, franchement, c'est juste cette première partie-là qui est peut-être la plus technique, on va dire. Ah, là, nous avons Giselle aujourd'hui et pas Rosie. Alors, Giselle, c'est mon chat numéro 2. Il a 5 ans, bientôt 6 ans, Pépère. Et là, on va venir positionner bord à bord. On commence par le bas. Se mettre sur le haut et vraiment bord à bord. Et pareil de l'autre côté. Hop, on vérifie juste bien, voyez là ce côté-là, c'était pas bien mis, donc je le remets bord à bord, bord à bord. Comme la colle n'adhère pas tout de suite, elle nous laisse, on va dire, 10 petites secondes pour pouvoir réajuster notre papier, ce qui est plutôt pas mal. On va bien attendre que la colle prenne. En faisant ça, en fait, je fais partie de toutes les petites bulles d'air qui peuvent éventuellement se mettre. On a 4 personnes ce matin, c'est super. Par contre, je ne vois pas les commentaires, encore une fois. Alors, faire glisser les commentaires. Bon, voilà. Bonjour, bonjour ceux qui nous rejoignent. Je ne vois pas qui nous rejoint, du coup. Et j'ai encore un problème de commentaires. Pourtant, il n'y a personne sur Internet. Bonjour Giselle, ça va? Vas-y, passe, fais-toi plaisir. Je vous montre un petit peu Giselle. Ah bah non, trop tard, Giselle est vite passée. Hop, du coup, je peux pas vous le montrer. Ensuite, on a fait notre collage. Tout est fait.
Et on va pouvoir commencer à venir marquer nos plis. Donc, hop, le premier pli. Je prends mon pli warehouse. Gisèle, allez, vas-y, passe. Gisèle, ça va? C'est cool? Allez, avance. Je vois pas les gens. Donc, notre premier pli. Je continue dans la façon de déplier. Notre deuxième pli. Là, j'ai un peu de colle qui s'est mis. Je vais prendre la gomme. Je vais venir gommer la colle. De toute façon, ce sera caché après avec le papier design. Il n'y a pas de souci. Là, c'est que la base de la carte. Hop. Je continue dans les plis. Je continue de marquer les plis. Gisèle, qu'est-ce que tu veux? Gisèle, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un câlin? Maintenant, là, tout de suite? Tu peux pas attendre un petit peu? Allez, pousse-toi. Voilà notre base de cartes. Du coup, vous voyez, on a commencé à marquer les plis et vous avez déjà la base qui est faite. Hop, nous sommes revenus au début. Voilà, la base est faite. Si vous avez bien respecté les plis, si vous avez bien respecté les pliures, du coup, votre système pour montrer toutes les parties de la carte se fait facilement. Maintenant, on ne va pas la laisser comme ça quand même. Place à la déco. Il y a Gisèle qui est toujours là. Gisèle, allez, vas-y, recule un peu. Voilà. Je ne vois toujours pas les commentaires. Je suis vraiment désolée s'il y a des commentaires qui se font. Je vois rien du tout. Ah, voilà. Coucou Gisèle. Oui, Mathilde, c'est ton chat. Alors, Sam, bonjour Sam. Bonjour Sandra, bonjour Mathilde. Coucou Gisèle. Oui, Mathilde te fait coucou, Gisèle. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'aurons pas Rosie, nous avons Gisèle. On va venir du coup maintenant décoller cette carte. On ne va pas la laisser brute comme ça. Et toute la semaine, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais souvent des chutes qui restaient. Je me suis dit, bon, on va les réutiliser aujourd'hui, en fait. On va réutiliser pour la déco. On va essayer d'associer tout ça. On va sûrement trouver notre bonheur dans toutes mes petites chutes. Et comme c'était la Saint-Valentin, j'ai aussi voilà, le motif cœur qu'on pourra utiliser. Un petit peu tout ça, on va se faire plaisir avec tout ça. On va voir, autant réutiliser les chutes. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous fait un système de découpe, on dit toujours ce morceau-là. On le garde, ça pourra toujours nous servir. Et oui, vous voyez, les morceaux, ça nous sert. Moi, je serais d'avis d'abord. Alors, le problème avec cette carte, bon, c'est pas trop un problème, c'est juste une façon de faire, c'est qu'au niveau des reliefs, on est quand même limité. Parce que plus vous allez la déplier, plus les reliefs vont se faire prendre de la place, et du coup, ça risque de casser vos pliures. Donc, autant jouer avec les couleurs et les motifs, et puis ben, les tampons aussi, on va jouer avec ça. Donc on va déjà, on est revenu sur la base, donc là où vous avez l'ouverture là et l'ouverture là, on va déjà venir décorer cette partie-là. Pour décorer cette partie-là, je vais avoir besoin d'un carré de, donc là ça fait 10, donc de 9,5 sur 7, donc 6,5. Je vais venir prendre une base blanche. Toujours un morceau qui me restait d'une dernière fois. Donc 9,5 sur, j'ai dit combien? 6,5 je crois. 6,5. Oui Gisèle. Allez, 9,5. Hop, je pense qu'il faut que je nettoie un petit peu la rainure. Rosie fait dodo, ça a été fatigant ce matin de mettre le bazar dans la maison. Bah oui, tu m'étonnes. Comment elle était énervée ce matin, oui, ça va être fatigant pour elle. On va pas l'avoir de la matinée. Donc on est à 9,5 sur... 6,5. Comme on est un petit peu sur une période de Saint-Valentin, d'amour et tout ça, je me suis dit que j'allais ressortir le set avec lequel on a joué cette semaine, qui est Gentil Bourriquet. Set qui est gratuit jusqu'au 28 février avec Celebration. Donc profitez-en, parce que franchement, il est sympa ce set. Et
avec les enfants, quoi. Vous pouvez vous en servir. Ça fait toujours plaisir de passer un après-midi aussi créatif avec les enfants. Et bah, je vais venir prendre l'âne avec la petite rose. La petite rose dans la bouche. Il va pas rentrer sur tout mon papier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on va venir couper en fait. On va essayer de venir le mettre au milieu. Alors soit on le met de chaque côté. Hop. Et de l'autre côté, on mettra un petit mot. Et on va venir le mettre en fait que pas entier. Vous voyez, il passe pas sur ma carte en fait. Donc, on va venir le mettre sur la moitié à peu près du papier. Donc, je vais venir en coller. Et comme je voudrais garder un petit Isabelle, j'ai essayé hier le mini album, à mon avis, avec du papier action. Il était beau, mais clairement, il ne se porte pas plus. Il se déchire. Du coup, je pense que le papier Stampin' Up est vraiment... J'ai pas tout au commentaire, Sandra. Ouais, le papier Stampin' Up, j'en ai parlé hein, pendant le live. Hein. Effectivement, le magasin a qui fait du beau papier, mais effectivement, le papier n'est pas résistant. Quoi. Quand on fait des pliures, le papier, en fait, il se plie pas, il se déchire. Pour de la déco, c'est bien, mais honnêtement, le papier Stampin' Up, moi qui ai déjà essayé plusieurs marques de papier, bah, moi j'ai vu la différence hein, sur le pli, ça reste. Même au niveau des motifs, franchement, vous avez des motifs, et puis de l'autre côté, ça suit tout le temps, quoi. Vous voyez, vous avez tout le temps des rappels de couleurs sur les papiers motifs. C'est parfait, quoi. Donc, oui, bah, je suis désolée pour toi, Sandra. Du coup, ce sera recommencé, ton beau projet. Je suis sûre que ce sera magnifique. Et n'oublie pas de m'envoyer la photo du mini-album. Hop, aujourd'hui, je vais utiliser la Memento noire. Donc, hop, allez. On en met partout sur notre petite âne. Bourriquet, oui, bourriquet. Notre bourriquet dragueur. Ah bah, Gisèle a décidé d'aller au-dessus du frigo. Oui, c'est bien, parce que je suis dans ma cuisine. Parce que dans ma chambre, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, du coup, je me mets dans la cuisine pour que vous puissiez bien voir bah, ce qui se passe, en fait. Alors, je mets un post-it en bas parce que j'ai envie de garder un petit rectangle blanc autour. Donc, du coup, bah, je vais venir tamponner au-dessus du post-it. Et ça me laissera cette petite démarcation qui peut être très, très, très jolie. Donc on se positionne bien. Hop là. Et on y va. Hop, hop. On va aller bien au bord. Et c'est parti. Je colle mon titane avec la rose. Il est chouette, non? Il est vraiment beau cette âne. Ce set là est vraiment, vraiment sympa. Donc, je vais prendre ma petite chamoisine. Pour venir nettoyer tout de suite mon tampon et le ranger, parce que sinon c'est vite le bazar sur la table. Et après vous allez plus voir où j'en suis, c'est pas le but. Le but c'est de partager avec vous ce petit moment sympa, là, de fabriquer de ses mains, de prendre du temps pour soi. Donc, on en est là avec notre petite âne. Vous voyez, ça n'a pas bien pris les... C'est pas grave, ça va pas me gêner ça. Rien ne me gêne. Et je vais venir le colorier, comme je fais à mon habitude. La Memento noire, je l'essaye depuis ce matin, je l'ai eu hier. Bah, j'adore, hein. Ça fait un joli rendu, puis on voit qu'elle est déjà sèche en fait. Donc au moins je sais que je peux aller dessus, colorier dessus, je vais pas m'en mettre plein les doigts. Elle est sympa la Memento noire aussi, je la connaissais pas encore celle-là. Hop, allez c'est parti pour la séance coloriage, art thérapie qui fait du bien aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que le set briquet, il est vraiment pas mal avec les enfants, parce que du coup... Vous tamponnez, vous tamponnez, vous tamponnez. Il colorie, et ça fait une activité collective, une activité familiale. Et puis ben, les enfants sont toujours ravis de voir ce qu'ils créent avec leur petite main. Mais on pourrait même s'en servir en carte d'anniversaire, hein, le bourriquet, en tout ce qu'on veut, en fait. Allez, on colorie un petit peu les papates. Et je vais forcer un petit peu sur mon gris. Pour lui faire ressortir ses belles mèches rebelles. La petite queue aussi. Hop. Voilà, on va lui colorier ses oreilles. Son museau. Et on va faire ressortir la rose, parce qu'aujourd'hui, jour de l'amour. J'espère que les fleuristes récupéreront un peu chiffre d'affaires aujourd'hui. Hop.
Pour faire ressortir un peu plus la rose, je vais aller au feutre. Ce sera mieux les feutres. Hop, ça bouge. Allez, on va la reflashir cette rose. Oui, c'est facile en fait avec le même tout noir. Oh, les traits sont gros, donc du coup, c'est vraiment bien qu'on peut. Enfin, regardez, ça rend bien, non, quand même. Je suis pas une pro du dessin. Hein, mais... C'est ma fille la pro du dessin dans la famille. Elle dessine super bien, elle tient ça de son papa. Elle a vraiment eu la chance à ce niveau-là. Elle a hérité de son papa pour le dessin. Et bien voilà, je vous ai montré dans les autres lives que des fois j'utilisais les tampons, mais juste des morceaux de phrases. Et là, je suis là pour toi, moi je veux juste le pour toi. Donc je prends le pour toi. Hop là. Je vais venir scotcher le je suis là parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin que de pour toi. Je cache le je suis là. Ah bah, la Rosie. Je tamponne mon pour toi. On aurait pu le faire en rouge aussi. On va le faire en noir et puis on va le faire en variante rouge après. Vous allez voir. Et le pour toi, ben, on va venir se mettre bien au milieu. Dans ce sens-là, c'est parti. Hop là, on nettoie toujours avec la petite chamoisine. Bonjour ma Rosie, t'as fini ton dodo? Et je vais venir faire des petits pour toi, un peu partout. On pourrait même venir jouer avec juste la rose, mais bon, faudrait beaucoup scotcher quand même. Avec le pour toi, puis on va faire des nuances de rouge. Donc je recache le je suis là. C'est simple hein, quand même, pour réutiliser les tampons sur... pour différentes phrases, voilà, pas besoin d'investir beaucoup et puis en fait ben voilà, votre tampon, vous créez, vous inventez, vous imaginez, on essaye, on rate, c'est pas grave, ça peut être beau aussi, ça peut vous donner d'autres idées. Donc là je vais utiliser le rouge rouge, Saint-Valentin oblige hein. Hop. Allez, on y va. Léger, léger, léger. On a l'impression de faire des bisous. C'est rigolo. On a l'impression de lui faire plein de bisous. Hop, je reprends le bout de scotch que je remets dessus. Allez, on y va pour le pour toi. J'ai encore un problème de commentaire. Il n'y a personne sur internet hein, pourtant, donc c'est sûr que j'y suis. Voilà, je me disais bien aussi qu'il y avait plein de commentaires. Alors, bonjour Ingrid. J'ai eu un bug, mais oui, le papier à action, vraiment pas terrible pour les pliages. Ça se déchire, bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Je l'aime vraiment, c'est un beau, il est beau ce petit âne. Bonjour Annick. Voilà, je récupérais les commentaires, j'espère que ça va suivre, parce que c'est un peu compliqué ce matin, là. Il n'y a personne sur Internet. Hein. Hop, allez, on est reparti. Un bout comme ça. Je retamponne pas, j'utilise toujours... Regardez, on a l'impression de faire plein de bisous. C'est beau, non? C'est sympa. Hop, je vais ranger donc le pour toi dans la partie gentil bourriqué. Et voilà, on a déjà notre premier morceau qu'on peut venir coller là. Alors, je vous entends déjà. Oui, enfin, Isabelle, t'es gentille, mais du coup, comment on va faire l'ouverture? On va venir couper au milieu. On a besoin de couper, en fait. C'est tout. Donc du coup, notre morceau, il fait combien celui-là? 9,5, donc 9,5, 4,75 à peu près, grosso merdouillasse. Vous allez voir comment on a bien fait ça.
On a nos deux étiquettes qu'on va déjà pouvoir venir coller du coup sur notre partie centrale en les mettant collées comme ça. On y va en colle. Une idée des prix des feuilles que tu utilises. Alors là j'utilise des restes de feuilles aujourd'hui. C'est les feuilles que j'ai utilisées toute la semaine. Donc il y a la collection. La collection Silhouette Évasive. Alors celle-là, elle est en promo en ce moment, elle est à 5,90€ et dedans vous avez 20 feuilles. Donc 20 feuilles en recto verso, c'est-à-dire vous avez deux possibilités de motifs à chaque fois. Ensuite, j'ai utilisé la joyeuse perforatrice. Voilà, qui est pareil aussi. Hein. Vous avez des motifs différents à chaque fois. Et il me semble que celle-là aussi était à 5,90€. Il faudrait juste que je revérifie un peu. Et après, j'ai utilisé pli en chemin. Alors là, c'est sympa pour les enfants. Vous voyez, j'adore les petits motifs. Là, c'est trop rigolo. C'est mignon, ça. Ça, pour faire des cartes avec les enfants, c'est vraiment bien. Vous avez des champignons, là. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'est pareil, derrière, vous avez d'autres motifs. Et bien, nous avons des cœurs. Allez, hop, on va prendre celui-là. On sera sûrement s'en servir aujourd'hui. Et celui-là, je pense qu'il est aux alentours de... Je vais regarder dans mon beau catalogue. Ou alors s'il y en a une d'entre vous, Annick, peut-être que tu as l'idée. 14€ à peu près, on va dire 14€ pour le papier, le paquet de 20 feuilles. Et 20 feuilles, voilà, qui résistent au pliage, qu'on peut utiliser pour différentes occasions, qu'on peut utiliser en long, en large, en travers. Franchement, moi, je reviendrai pour rien au monde un autre pliage, quoi, un autre style. C'était ce côté-là, c'était ce côté-là. Voilà. On va venir se mettre au milieu. Et on va coller. C'est pas grave, Sandra, il n'y a pas de souci, je réponds aux questions. C'est bien quand on a des questions en direct, on voit que ça intéresse les gens. Ça fait plaisir aussi. Parce que c'est un sacré boulot sur soi-même de faire des lives. 7 jours d'affilée, de montrer des techniques, d'être sûr de ne pas se planter en direct ou d'être sûr de ne pas avoir de bug internet en direct. Parce que ça aussi, hein, hier, c'était très rigolo. Je continue à avancer jusqu'à ce que je reçois un petit messenger qui me dit « on ne te voit plus ». Grosse panique. Du coup, je regarde et effectivement, ça ne filmait plus. Mon fils avait une réunion en visio hier. Du coup, internet n'a pas supporté les deux, quoi. Les deux visions en même temps. Le froid peut-être, je sais pas. Enfin... Voilà, donc du coup, hier, il y avait deux lives. Un de quelques minutes et un peu plus d'une heure. Ou du coup, j'ai tout rattrapé avec vous en direct, quoi. Comme c'est notre bourriquet, je vais lui mettre des petits sequins de fleurs. On va partir dans le vert. J'ai violet, j'ai rose. Hop, 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 hop. Un petit violet, ça peut être joli. Allez, on va faire une petite fleur. Violette. C'est joli aussi ces petits séquins. Vous voyez, c'est pas grand chose et ça finit la page. Ça finit la déco. Notre bourriquet. Ouais, c'est vrai qu'on est tous isolés en séparés, on est un peu tout seul. Donc prendre du temps pour soi aussi parce que les sorties sont un peu limitées. En plus, il fait froid. Et le ménage, moi j'ai jamais été autant à jour de mon ménage, je n'ai jamais été autant à jour de mon repassage. Franchement, je m'épate moi-même. Hop, je prends du temps, je m'assois, je prends du papier, je dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, à qui je vais faire plaisir, à qui je vais envoyer une petite carte. J'ai envoyé une carte de Noël à ma petite brioche qui se trouve dans le Lot, à Grandma, Noah. Grand-marraine te fait plein de bisous, que j'ai fait moi-même et que j'ai pris plaisir à faire moi-même en fait. On en est là, vous voyez, donc on a déjà notre première partie. On pourrait aussi venir décolorer là, pas de souci. J'avais trouvé le beau papier là. Regardez ce beau papier là, qui vient de. Je vous l'ai montré en plus il y a quelques minutes. Pli en chemin, celui-là il est vraiment sympa. On va prendre les cœurs, puis on va mettre des petits carrés de cœur là. On pourrait même mettre aussi un petit carré blanc et après un petit carré rouge. Hello Anne-Sophie, t'as été le boulot? Ça a été sage.
Donc on va mettre un petit carré blanc de, alors là ça fait 3,5, donc j'aurai besoin de 3, et là ça fait 5, donc de 4,5, pour perdre le moins de papier possible. Ça fait combien ce morceau? Hop là, allez 3. Ouais, ça fait toujours plaisir de recevoir des belles cartes, surtout quand moi je rajoute un 100% fait main dessus. Même à mes collègues en fait, je vous parle, du coup j'en oublie ce que je dois faire. On a dit quoi? 3 sur 4,5. À mes collègues en fait, mes collègues cadres tout simplement, j'ai eu des... je suis aide-soignante en fait à la base. Et j'ai eu une boîte de chocolat par une patiente, ça m'a fait super plaisir. Et en fait en regardant la boîte, je me suis dit purée, cette année nos pauvres cadres qui sont dans les bureaux, eux vont pas pouvoir profiter des boîtes de chocolat. Donc du coup je suis allée leur chercher des boîtes de chocolat. Je leur ai fabriqué une petite carte faite maison aussi et je leur ai offert. Et ben ils étaient super contents en fait. Ils étaient super contents de ma petite carte et de chocolat aussi, hein, mais de ma petite carte. Ils en revenaient pas que ben, déjà je fasse ça. Et que c'était moi qui avais tout fait, 100% fait main, comme j'ai mis dessus. Tu nous feras un projet pour Pâques? Oui, ça peut être envisageable, ça, un petit projet pour Pâques. Dans un prochain live, au... enfin là, pour les 7 jours, 7 lives, j'ai déjà des projets pour tous les jours. Mais oui, je pense que dans un prochain live, on pourra peut-être parler de Pâques. Je sais pas, déco de table, par exemple. De quoi on pourrait parler encore petit coffret surprise pour les enfants. Être bien aussi. Oui, on va parler de Pâques. Je me le note, Sandra, je me le note. Anne-Sophie, t'es en repos. Pff, je suis même pas étonnée. Je suis même pas étonnée. Ah, vous allez entendre la musique de mes voisins. On fera la fête tous ensemble. Fais fureur, Mazaza, tu leur avais pas dit à tous que tu les avais faites, j'ai balancé. Si, il était marqué 100% fait main, en plus je leur ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Mais ils n'écoutent pas quand on parle. J'ai balancé, et du fait, on était encore plus touchés de l'attention. Bah, j'espère bien, c'était le but. C'était le but. Et même quand je suis allée jusqu'à la poste pour envoyer la carte pour Noah, le fils de mon filleul et de son épouse, hein, du coup, Mélissa... franchement j'étais trop contente, je me suis dit j'espère qu'il va être content, la petite brioche, j'espère que ça va lui faire plaisir. Je pense que oui, ça lui a fait plaisir. Allez, je continue dans mon papier design. Donc là 4,5, il me faut un morceau de 4 et un morceau de... Oup, oup, oup. J'ai fait quoi là? 3, 2,5. J'ai dit quoi? Oh là 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 là. Ce matin, aujourd'hui c'est pas une journée super. 4 sur 3. Allez, j'ai fait fureur. Allez, 4 sur 3. Donc, hop, 4. Avantage des mamies. D'ailleurs, mamie, n'oublie pas, je te suis pour le mini-album que j'attends avec impatience. Ça ne peut pas être 3. Ça va être 2,5. Hop, là, on va faire dans l'autre sens, on aura plus de place pour tenir. Denis. Anso, j'ai le. Si jamais tu n'arrives pas sur le site, ils sont là ce week-end. T'es piou-piou? C'est tes piou-piou qui sont là ce week-end, c'est ça? Tu les as ce week-end, mamie? Bah, activité créative, mamie, activité créative. Il n'y a pas que la cuisine. Crée, crée. Les voisins montent le son, on n'entend rien, bah tant mieux. Parce qu'au niveau go musique, hein, chacun ses go, mais alors la leur, je l'aime pas du tout. Hein. J'aime pas du tout, du tout. Allez, regardez mon papier design. Donc de pli en chemin, donc je passe au pli en chemin. C'était ça, pli en chemin, je vous ai dit quoi? Oui, c'est ça, pli en chemin. Celui-là qui est vraiment sympa aussi pour travailler avec les enfants, parce que vous voyez, de l'autre côté, en fait, c'était des champignons. C'est Saint-Valentin, moi je vais utiliser... Je me suis trompée de sens. Hop, c'est pas grave, on va recouper un bout. Hop, pas beaucoup de colle. On fait une fusée avec une bouteille. Oula,
Attention, je suis pas très loin, que la fusée n'arrive pas dans mes fenêtres. Ça pourrait te causer des problèmes. Je suis sûre qu'à Maël, tu lui montres les bourriquets, ça va lui parler. Je suis sûre que ça va lui plaire, ça, les petits bourriquets. Allez, on recoupe un pli de nid. On y va. Ah ouais, on fait attention aussi dans le sens où on pose les cœurs hein, quand même. Ce serait dommage de juste pour un petit carré mal posé. J'ai déjà ma première partie de carte. Quand même pas mal, non? Ça vous plaît déjà ou pas? Moi j'adore déjà ce petit âne, là, ce bourriquet. Il est vraiment très joli. Tout simple, vous voyez? Tout simple. Ce qui est vraiment le plus, on va dire, difficile entre guillemets sur ce modèle-là, c'est juste la découpe et le pliage en fait, pour pouvoir avoir une ouverture correcte. Dragon et Toy Story. Toy Story, non, il n'y a pas d'âne, c'est dans Shrek, l'âne. Non, il n'y a pas d'âne. Oui, bah Toy Story, dragon, champignon. Ça suit, Anso, ça suit. Ça suit. Allez, on va faire ce petit parti-là. Donc là, nous allons avoir besoin d'un carré de 5, donc de 4,5. Et sur toute la longueur qui va faire 13,5. 4,5 sur 13,5. Est-ce que j'en avais pas déjà un par hasard? Non. J'utilise mes chutes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne prends que mes chutes de la semaine pour l'instant. Hein. J'ai dit quoi? J'ai dit 4,5 par 13,5 dans mes souvenirs. C'est ça. 4,5 par 13,5. Je sais combien là? Ouais, 4,5. 4,5, ça me semble peu. Qu'est-ce que je fais? 4,5. Ouais, c'est ça, 4,5. Allez, 4,5, on se positionne bien. Oui, ça finit pareil. Bah ouais, c'est ça, dragon, champignon, c'est pareil. Hein. Ça revient au même. Hein. Et je suis sûre que chez les dragons, bah, ils mangeaient des champignons. Hein. Donc. Par 13,5. Du coup, nous avons ce bout qui va venir là. Alors, qu'est-ce qu'on va remettre dans notre gentil bourriquet? Hop, hop, hop. Moi, j'aime bien celui-là, là, avec son petit visage des choupignons, quand même. C'est bien, pas de perte. Ah non, non, pas de perte. Pas question. Pas de perte. On réutilise tout, même le moindre petit bout. Ça peut toujours servir. Hop. Bon, il y aura juste pas sa queue, mais ça va être chou. Mon bout de queue, mon bout d'oreille. Je choisis quoi? Le queue, l'oreille. Allez, si on le met comme ça, ça passe. Allons-y, on en colle. Donc, je vais réutiliser la même entonnoir donc, que j'ai eu hier. Hein. Franchement, elle est bien celle-là. J'en avais entendu parler, j'en avais entendu que du bien, mais ouais, effectivement, elle est quand même pas mal. Hop, là ça va dépasser, ça va baver, je vais pas vouloir. Hop, on salit pas son plan de travail, on reste propre, ça évite les petites bourdes. Et j'en colle. C'est parti. Ce qui est bien avec le bloc à résine, c'est que du coup, on voit en fait où l'âne se trouve. La pâte n'est pas belle. C'est pas grave. On va refaire un âne. On utilise le derrière du coup. Je sais pourquoi la pâte n'est pas belle, c'est parce que j'ai pris du papier cartonné pour aller en dessous et du coup ça me fait un petit relief. Donc ça va pas du tout, je vais reprendre le post-it que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça ne fera pas de relief. Mon tampon va rester droit. Avec le bloc à résine, en fait, j'arrive à voir la feuille en dessous, donc pour me positionner, c'est quand même bien. Et comme chez Stampin' Up, quand on a les tampons, on a une pellicule à mettre dessus. Il existe des tampons dinosaures? Oh là là, Anso, il existe des tampons dinosaures. Je pense que là, ça peut le faire. Parfait. Là, les dinosaures, on est bon, on est en plein dedans. Hein. Ça marche. Hein. Je vais te chercher ça, Anso. Je te dirai s'il y a des tampons dinosaures. Là, tu vas avoir des dinosaures partout, partout chez toi. Ça va être magnifique. Ils vont pouvoir faire leur marque-page, les enfants, en dinosaures.
C'est chouette, non? Allez, je ressors mes crayons de couleur. On y va. Ce qu'il y a bien dans cette carte, c'est que la structure, elle va vite à faire. Et du coup, on passe beaucoup de temps au niveau de la déco. Et ça, c'est top. Parce que la déco, c'est quand même le meilleur moment des projets. Là, on crée, on invente. Je reste toujours dans le gris, hein, pour mon petit âne. Comme ça, il ressort, il est mignon. J'aime bien celui-là, il a un petit regard de dragueur. Un petit regard de je suis un beau gosse. Regardez-moi. Anso, c'est pareil, hein, dans les lives. Je sais pas si tu es encore là, Anso, oui, tu dois être encore là. Dans les lives que j'ai fait, dans les tout premiers, pas les 7 jours, 7 lives, hein, les autres lives, j'ai expliqué que je faisais un album, enfin une boîte qui regroupait plusieurs albums que j'allais offrir du coup à. Eh bien, qui partaient dans le sud chez mon filleul, parce qu'ils attendent un heureux événement. Et du coup, sur les albums, en fait, j'ai fait le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, les 6 premiers mois de la vie de bébé, en fait. Je pense que tu as une naissance qui arrive bientôt, toi. Mais tu es beau, tu es mignon tout plein pot. T'es choupinou. Et qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? On va pas faire tous nos voeux de bonheur, ce serait quand même un peu bizarre. Toujours une place dans mon cœur. Est-ce que ça passe toujours une place dans mon cœur? Un petit doute, toujours une place dans mon cœur. Non, ça passe pas. Et on va faire toujours. Une place. Allez, si on fait toujours une place dans mon cœur. C'est pas grave, j'avais envie de mettre ce tampon-là. On va mettre ce tampon-là. Quand j'ai envie, j'ai envie. J'essaye. Alors, on va commencer par le toujours. Donc, pareil, je scotche ce que j'ai pas besoin sur le tampon. C'est pas un travail de précision, ça. Oh, ça, c'est juste le plaisir, ça. Le plaisir de se dire, tiens, je vais inventer comme ça, je vais faire comme ça. Je vais essayer comme ça. Et on va partir dans le rouge-rouge, là. On va pas refaire noir. Rouge-rouge. Allez, on y va d'abord pour toujours. Hop, je referme, on va enlever le scotch. Petite poubelle, j'ai fait exprès de mettre une poubelle. Allez, hop là. Je me suis mis du rouge sur les doigts, du coup ça vient de où ce rouge? Il y a du rouge là, c'est pas grave, on va passer dessus. Toujours. Allez, maintenant on fait une place. Dinosaure, ça peut passer pour les loulous? Bah écoute, si ça peut plaire aux loulous. Ça va sûrement plaire à mamie aussi. De faire des après-midi tamponnage. Ça tamponne, ça tamponne, ça colorie. Je pense que tu peux réussir à les occuper au moins une bonne demi-heure, tu sais, Anso. Parce que même au niveau des sorties, on est quand même limité. Hein, les parcs, fait un peu froid quand même. Hein, Je sais pas vous, mais alors nous, on est à moins 7 en ce moment. On le sent passer. Hein. C'est moins 7. Moi, j'ai l'impression qu'il fait moins 8000. On est bien chez soi. Je pense que j'ai choisi la bonne semaine, du coup. Allez, toujours une place. Hop. Et je suis toujours avec le même tampon hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je ne peux pas utiliser mes bouts de scotch, je ne les ai pas bien collés. Dans mon cœur, on y va. De toute façon, deux fois, il y a le petit J de toujours qui m'embête.
Hop. Allez, dans mon cœur. On se met droit, ce sera mieux. On y va dans mon cœur. Voilà, ce qui était comme ça à la base devient comme ça avec moi. Parce que je préférais, tout simplement. Parce que j'ai eu envie. Parce qu'il fallait que ça passe. Et parce que j'ai réfléchi et que c'est très beau comme ça. Je vais reprendre mes petits sequins. Par contre, je vais en prendre deux verres là cette fois. Hop, les petits sequins verts. On va y mettre des petites fleurs. Celui-là, là. Un petit peu fleur bleue. Hop là. Donc là, pareil, vous allez me dire, t'es gentille Isabelle, on colle et comment on fait pour ouvrir? Ben, c'est pas grave, on va la couper en moitié, c'est rien. C'est rien. C'est étudié pour. Donc ce morceau-là, il fait 13,5, ça fait 6,75. 6,7,75. Et on arrive pile poil. Vous voyez, même toujours une place dans mon cœur, j'aurais pu mettre un peu plus haut. Là, je pourrais encore mettre des trucs et... Dans le bourriquet, il y a des petites étoiles que j'aime bien. On va partir dans le rose. J'avais fait ça aussi sur un autre album, prendre que les côtés. Hop, comme ça. Hop. Hop, on va en mettre là, et juste deux. Et hop, voilà. Je continue de jouer avec mes tampons, les utiliser dans différentes variantes, dans différents contextes. Vous voyez, pour l'instant, je suis avec le bourriquet quand même pour la Saint-Valentin. Même rigolo. Donc on reprend le système. Hop, on était toujours là pour soi. On était là. Hop, 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 hop. Donc la première partie, la deuxième partie. On va mettre le petit bourriquet en haut. Toujours une place dans mon cœur en bas. C'est parti, on colle. Vous en sortez pour l'instant, celles qui sont en train de le faire en même temps que moi. J'espère que ça va, que c'est clair. Sinon, bah, vive les replays. Hein. N'hésitez pas, avec les replays, au moins on peut faire pause, on peut revenir en arrière. Je positionne bien grâce à la colle qui me laisse un peu de temps quand même, qui ne colle pas tout de suite, qui en plus ne fait pas baver le papier, ne gondole pas. Et puis bah du coup, on va mettre là, il faut un petit morceau là. Ce morceau-là, on va s'en occuper après. On va mettre des petits morceaux de chaque côté. Le petit Anne, tu disais qu'il pouvait être gratuit. Tu peux nous redonner les conditions? Alors en fait, c'est Celebration en ce moment. Celebration, c'est pas ce catalogue-là. Celebration, c'est jusqu'au 28 février. Et en fait, pour toute commande qui atteint 60 euros, vous avez la possibilité d'avoir des sets de tampons gratuits. Donc, vous avez un choix. Moi, j'ai choisi celui-là. Je le trouvais trop mignon. Il y en a trois autres, il me semble. Au-dessus de 120 euros d'achat, vous avez d'autres cadeaux gratuits. Enfin, voilà. C'est Celebration, c'est jusqu'au 28 février. Faut pas traîner, parce que ça a super bien marché, Celebration. Et j'espère qu'ils ont encore du stock. Mais oui, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait encore du stock. Donc c'était plutôt bien. Donc c'est voilà, c'est jusqu'au 28 février. Le minimum d'achat c'est 60 euros et vous avez déjà un cadeau gratuit quoi. Franchement ça va.
Ça va, ça va. Un petit kit de démarrage. Voilà, vous pouvez déjà vous faire plaisir, faire pas mal de trucs avec 60 euros. Quand vous voyez que vous, dans un paquet de feuilles, vous avez 20 feuilles. Avec 20 feuilles, on va loin. En plus, on réutilise toujours les petits morceaux qui restent. Donc voilà, faites-vous plaisir, quoi. C'est le moment. C'est le moment. Donc là, il va nous falloir un petit morceau de 2 sur 3. Alors, hop, on va couper 2 comme ça. Juste vérifier qu'on est bon. On est bon. 3. Donc, il va falloir 4 petits bouts. Ouais, non, c'est vraiment super, Sandra, t'as raison. Enfin, je trouve qu'au niveau des cadeaux, honnêtement, ils sont pas avares, hein. Ils sont pas avares de cadeaux, ils savent faire plaisir. Enfin, je dis, moi, j'ai eu. J'ai eu du papier, c'est pas celui-là, mais j'ai eu du papier en cadeau pour une commande, du papier super en plus. J'ai l'impression qu'il y a toujours des cadeaux en fait. C'est bizarre. Ça fait plaisir. On n'a plus l'habitude d'avoir des gens qui nous offrent des cadeaux tout le temps. Donc bah, on prend, hein. On prend un cadeau. C'est un cadeau. Surtout dans le contexte actuel, ça devient vraiment rare de trouver bah, les cartes de fidélité. Il y a beaucoup qui ont arrêté les cartes de fidélité, qui permettaient aussi d'avoir des cadeaux. C'est la crise pour tout le monde, quoi. Donc là, retrouver des cadeaux quand on passe des commandes, ça fait du bien. Donc là, je vais juste décorer les extrémités. Alors pourquoi je ne viens pas décorer là? Parce qu'en fait, cette partie-là, c'est celle d'en dessous. Je ne peux pas venir la décorer tout de suite, il faut que ça passe avec celle d'en dessous. Sinon, on va vite être embêté. Alors là, le relief, ben en fait, vous le faites avec votre superposition de papier. En utilisant ben, différents motifs. Depuis tout à l'heure, j'utilise les petits cœurs là, qui viennent de plier en chemin avec les champignons. Qui suit avec dragon. Et on va revenir recouper une petite bande du coup pour se faire plaisir. Pour qu'on pourrait aussi laisser comme ça. C'est beau. Si vous voulez mettre des brillants après des brillants plats, vous pouvez. Mais voilà, je vais remettre des petits cœurs. Bon, j'aime bien les petits cœurs. C'est Saint-Valentin aujourd'hui. 1,5 sur 2,5. Alors, 2,5. Attention, le sens du papier, Isabelle. Donc là, ça va être 1,5. Sinon, mes petits cœurs, ils vont être à l'envers. Dinosaure, exact, Anso. Ou dinosaure. 1,5 sur 2,5. Ou bourriquet. Là, il va bientôt y avoir les cocottes. Pour Pâques, justement. Un set de tampons de cocotte qui va sortir. Il est beau aussi. Il est rigolo. Et alors, on a une infinie aussi de possibilités avec ce set de tampons. On décompte pas que les cocottes, ça suit quoi. C'est exactement ce qu'il faut. Et hop là, on n'est pas à 2,5. Isabelle, 2,5. Hop là. Allez, je mets 4 petits bouts. Je continue, je colle. Même là, vous voyez cette carte quelque part, on la commence. Ah, la machine a sonné, il faut aller tendre le linge. C'est pas grave, je vais tendre le linge. Je peux revenir après, puisque en fait, vous faites 4 façades à la fois. Donc ça peut nous permettre de prendre un peu plus de fréquence de temps dans la journée. 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 20 minutes devant la télé le soir.
toujours attention dans le sens des cœurs. Hein. Hop. Alors, première partie, toujours une place dans mon cœur, deuxième partie, et allez, on y va pour la troisième partie. Donc là, il va nous falloir un morceau blanc de 6,5 sur 9,5. 6,5 sur 9,5. C'est le bazar, ça y est. Alors, est-ce que celui-là, il fait 6,5 par hasard? Il ne fait pas 6,5. Qu'est-ce que j'ai dans mes bouts? Hop là. Je ne sais pas si c'est lui non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Je regarde hein, ce que je pourrais continuer à utiliser. Est-ce que là j'ai 9,5? Voilà. 9,5. Sur 6,5. Parfait. J'ai trouvé dans mes restes de boue un bout qui va très bien coller là. Alors, on va continuer dans les bourriquets un peu foufou. On va prendre le dernier. Tu vas y passer, mon coco. Tu vas te tamponner. Ça, là j'ai mon milieu, je ne bouge plus, ce qui passe tout dedans, il a l'air de passer entièrement dedans celui-là, on pourra le faire entier. Allez, je reprends la même entonnoir. On met bien notre carte droite. Hop, je pose. Voilà. Joli aussi celui-là, joli, joli. Un petit peu foufou. Et je reprends mes crayons de couleur que j'ai mis où du coup dans l'histoire. Là. On est reparti pour colorier, je vais toujours rester dans le gris. Je vous fais une carte de Saint-Valentin avec des bourriquets. Je m'épate moi-même. Bourriquet, c'est invité dans vos Saint-Valentin. Et oui, tout est possible, tout est réalisable, hein, vous voyez. Hop. Hop. Oh bah j'ai oublié les oreilles et la bouche, le rose. Voilà. Pendant là, pendant la quoi, Anne-Sophie? Tu veux pendre qui? J'ai pas trop compris. Ça doit pas être ça. Pendant la Celebration? Jusqu'au 28 février? Je sais pas si je réponds à ta question parce que je sais même pas si c'est une question en fait. J'avais des petits cœurs tout à l'heure. Peut-être utiliser un petit cœur. Prendre un petit cœur rouge. Joli ce petit cœur rouge. Ou un petit cœur violet. Non, on va rester dans le rouge. Hop. J'avais pas un petit bout de cœur. Allez. Du coup, je vais reprendre ce morceau-là, le vichy là. Ou bleu, le cœur.
Violet. Ah là là, je ne sais que choisir, mon cœur balance. Pendant la coloration, on peut savoir ce que tes voisins partagent comme musique. Bah là, c'est calmé. Sinon, en général, j'ai le droit à du Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer. Voilà, pendant 2 heures de suite, ce qui est sympa. Sinon, c'est très années 80. Quand c'est années 80, ça va. Mais quand c'est fermé, pip-pip, pendant 2 heures, c'est moins bien. Bah, disons qu'on s'en lasse, quoi. Voilà. Violet, t'es d'accord aussi? Allez, c'est parti pour Violet. Ça tombe bien. Grands esprits se rencontrent. Après, je vais pas me plaindre de mes voisins, j'ai un toit au-dessus de ma tête, hein, quand même. Voilà. Les immeubles, ils sont vieux là où j'habite, alors forcément, au niveau sonorité, c'est pas foufou. C'est pas mal les faux cœurs quand on n'a pas de perf au cœur. Carrément! Carrément, Sandra! La perf au cœur, je m'en suis déjà servie bah, quand je vous ai présenté l'album, la carte Joyeux anniversaire. Avec la carte effet pop-up où le message se dépliait dedans, bah, je me suis servi des cœurs en fait. Et du coup, bah, en papier design, en déco de fond, je mettais ça et je redécoupais des cœurs et je les remettais au-dessus. Et ça faisait mon petit effet relief, c'était joli. J'étais contente de ma trouvaille. Voilà. Tout s'utilise en fait. Tout s'utilise. Et vous voyez, à chaque fois, on a les cœurs et de l'autre côté, bah, le Vichy, ça a sorti avec les cœurs. Vous voyez, enfin, c'est... je trouve qu'ils ont vachement bien étudié leur concept de papier. C'est vraiment top. Allez, je vais coller mon petit quart. Est-ce que j'avais pas des petits sequins violets dans mon souvenir? Bon, les sequins sont tous tombés du papier. J'avais des sequins violets. Ah, mais non, j'ai ce... ah, je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça rend. Ça fait un petit peu toutes les couleurs. C'est joli aussi. On va lui en mettre des petites fleurs. Hop. Hop. Et là, toujours même principe. Mais Isabelle, comment tu veux que on colle ça? Eh bien, on recoupe au milieu. On coupe au milieu. On va peut-être avoir un petit souci avec l'âne là. J'aurais peut-être dû le faire un tout petit peu. Alors 9,5, 4,75. Ça donne quoi 4,75? Oh, peut-être pas qu'on va être pile poil bon, dites. Oh là là, je pense que là. Ah, si ça passe le cœur. Hop, on va aller de l'autre côté. Non, eh. Ça passe. Ça passe. Pile poil. Allez, on y va. On colle. Ce projet-là, quand même, il est pas mal. Hein, parce qu'il y a beaucoup de déco à faire. La base est super simple. Et même en carte d'anniversaire, hein, c'est faisable. Hein. En faire part de naissance, c'est faisable aussi. Très rigolo en faire part de naissance, hein. Une petite photo du bébé, une petite photo de papa-maman. Et hop, on déplie la date, on déplie le poids avec la taille. Hop. Et du coup, on va mettre des petits carrés à ce niveau-là. Donc là, il va me falloir des carrés blancs de... Ah, la Rosie, attention. 3 sur 2. Oui, faire part de félicitations aussi, t'as raison, Anso. Faire part de félicitations, c'est à faire, c'est simple. Tu peux le faire aussi. J'ai encore oublié les mesures. La journée est un peu compliquée pour moi aujourd'hui, donc c'est 2 sur 3. Marozy, tu fais quoi? Oui, je sais. Tu fais quoi? Deux. J'ai bougé. Ah, tu manges. Excuse-nous. Je te dérange pas? Hop.
3, il m'en faut 4. Hop. Je suis de nouveau Tati depuis 2 jours. Ah bah félicitations, ça y est, tout s'est bien passé. Du coup, c'est quoi, petite fille, petit garçon? Ça devait être encore la fête dans la famille. Tu vois, tu peux toujours encore te lancer dans le dans la box les 6 premiers mois de la vie, là, pour faire des photos. Pour faire l'album photo. C'est dans les autres lives. Ça va, Rosie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas jouer, hein? Pas avec ça. Vas-y, je te vois. Ah ouais? Après, il n'y a pas de justice sur Terre, qu'est-ce que tu veux? Viens. Rosie, viens montrer ta bougne. Non, là, ça, tu laisses. Et ma fifi. Allez, viens, parce que après les gens, ils vont me réclamer. On veut voir Rosie, on veut voir Rosie. Viens. Non, tu veux pas? Arrête de faire ta princesse. Hein. C'est vraiment quand t'es décidée, toi. Tu vas venir quand je vais être en train de coller. Comme ça va bien m'embêter, c'est ça? Oui, voilà. Attention, la Rosie. Pas pour toi, j'ai déjà fait un album rien que pour toi. Allez, c'est bon, Rosie. Rosie a montré sa tête. Rosie, là, elle me regarde amoureusement. Rosie. Hop, et on va venir remettre notre petit papier design au-dessus de 1,5 sur 2,5. Alors, 1,5. Hop. J'ai dit 1,5 sur quoi? Eh bien, ce papier-là, il a bougé. Hop. Voilà, mon coco. 1,5 sur 2. Bon, on y va. 2. Donc, il va en falloir 4 morceaux. Faire dans l'autre sens. Pour tenir, ça va être plus facile. 2. Centimètres et 2 centimètres. Hop, allez, on colle. Oui, Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus petit, bah, c'est pas grave, ça va faire un petit genre. Je pense que j'ai pas bien mesuré ou j'ai pas été. C'est joli aussi comme ça. Aujourd'hui, on joue vraiment qu'avec le papier en fait. Le papier, la machine à découpe, la colle et le tampon gratuit des bourriquets. Hop là, deuxième volet. Allez, il ne reste plus que celui-là. Et on aura pratiquement décoré toute la carte. On a décoré toute la carte, je crois, après. Oui, on vient au début. Alors, là, il va me falloir un morceau de... sur 4,5. Hop, je reprends un bout qui me restait. 4,5. Hop, c'est ici. C'est ici.
sur 13,5. Il va se coller là, c'est parfait. Et du coup, au niveau bourriquet, ben, je suis là pour toi, on s'en est servi. Tu es incomparable, amuse-toi bien. Oui, bof. Ian. Et j'avais aussi les moments de plénitude où là, toujours une place dans mon cœur, on s'en est servi ou pas déjà? Je sais plus. Au début, je pense, non? Toujours une place dans mon cœur, oui, là. Alors du coup, bonheur, ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Est-ce que bonheur passe? Rosie, tu fais quoi? On peut faire un bonheur en haut, un bonheur en bas. Et on va faire ça. Un bonheur en haut, un bonheur en bas. Mon bloc à résine, il est là. Ces petits papiers, j'en ai encore besoin. Faut que je fasse un peu de place parce que là, ça va plus. Le scotch, il est là. Alors là, je vais prendre que bonheur parce que tous nos voeux de bonheur en ce jour merveilleux, oui, c'est bien pour une carte de mariage, ça. Hop, allez, bonheur. T'as vu, Anso, je suis toujours avec mes mignons creux. Hein. Crois-moi que la journée, je continue à faire des trucs. Hein. Rosie. Rosie a décidé que c'était le moment pour jouer. Donc elle sort tous ses jeux de la caisse. Petite chamoisine toujours pour nettoyer les tampons. Et on range. Et après on a dit qu'on faisait ces moments dont le souvenir nous fait sourire. La vie est belle. La vie est belle. Allez, on va prendre que la vie est belle. J'ai un bug de son, j'ai pas entendu. T'as pas entendu quoi? T'as pas entendu quel moment? Quand tu m'as parlé de. C'était Tati. Mais oui, pris mes parts, bah oui, bah oui. Y a pas de justice, si tu veux, c'est comme ça. Allez, la vie est belle. Hop, 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 hop. La vie est belle. Et je suis toujours avec mon rouge rouge. Ah, je te parlais des tampons. Je t'ai dit, t'as vu, Anso, je suis toujours avec mes mini tampons. Et je m'en sers pas que pour les lives, puisque je m'en sers aussi. Bah, je m'en sers aussi à part, quoi. Enfin, je n'arrête pas. Hop. Hop. Sors tamponné. Ça me fait un nuancier de couleur très joli. Alors là, j'ai utilisé juste La vie est belle de La vie est belle avec une amie comme toi. J'ai toujours une place dans mon cœur. Je peux peut-être utiliser mon cœur. Mon cœur. Allez, on va utiliser mon cœur. Hop, je scotche. Mon cœur, on y va. On colle. Presque fini le projet. Hein. Là, c'était vraiment place à la déco aujourd'hui. Hein. On se faisait plaisir sur la déco. Mon cœur.
mon cœur, voilà. Bonheur, la vie est belle, mon cœur. Après, qu'est-ce qu'on va lui mettre à celle-là? Des petits brillants encore? On part dans les brillants. J'ai des brillants roses. Allez, on va partir dans les petites fleurs roses. Pas forcément tous les mettre au même endroit. Hein. Même si on a fait ce petit effet miroir là. Pas tout au même endroit. Hop. Et bien sûr, là, on vient couper à la moitié. Donc, on était à 13,5. Ça fait 6,75 toujours. Hop. Hop. Alors, il est où le projet? Il est là. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, on est là. Je vais même couper un demi centimètre à celui-là un peu en haut. Je vais pouvoir le placer de façon à garder le relief du papier design en dessous. On y va. C'est joli cet effet de dégradé de couleur. Juste en tamponnant une seule fois, vous avez le rouge clair, le rouge foncé et le rouge clair du coup qui apparaît derrière. C'est vraiment joli. Allez, tant que ça colle ça, je vais venir décorer les côtés. Donc là, on est à 6,5 sur 2. Est-ce que c'est pas un truc de 2 ça? Qu'est-ce qu'il me restait? Non. Alors, 2. Je ne sais pas si c'est mis. Non, ce serait trop beau. Alors, 2. 2. Hop, 6,5. Celui-là, non, il fait pas 6,5. 2. Du coup, là, j'ai ma base. Je vais tout de suite venir couper. Ça doit faire 1,5. Est-ce que là j'ai 1,5? J'ai 1,5 sur 6,5, donc ça fera 6. Hop. Là j'ai pas 1,5. Là il me reste ça. Alors, c'est pas grave, on va recouper une petite bande de 1,5. Hop. J'ai dit combien? 6. 6. Salut Quentin. T'es pas de garde toi aujourd'hui? Non, t'es pas de garde. Hop. Faire un petit peu de place, c'est un peu le bazar là. Ouh là là. Allez, je vais coller déjà le papier sur le blanc. Qu'est-ce que j'ai qu'à fouiller avec le papier là? Non.
Alors, du coup, j'avais dit quoi? Ton grand machin. Non, bah non, mon grand machin n'est pas de garde, puisque mon grand machin est blessé. Donc, il est à la maison. Il est puni de garde. Ils ont joué les Warriors, bah voilà. Sur 6,5. J'ai dû faire 6. Ah, et revoilà Rosie. Oui, Rosie, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? As-tu une question? Est-ce que tu dois te plaindre? Écoute, il y a quelqu'un qui arrive. Oui, va voir. En fait, non, c'est pas quelqu'un qui arrive, c'est mon fiston qui va chercher une rose. Pour qu'on puisse aller ramener à papa. Hop, et le petit bout. Puis on a presque fini la carte. C'est beaucoup de déco cette carte en fait. Hein, c'est ça. Mais c'est le meilleur moment du scrap en fait. C'est le meilleur moment du scrap, c'est qu'on met en place, qu'on monte sa déco. C'est un peu comme le tricot, le crochet. Voilà, c'est une fois qu'on voit le projet commencer à prendre forme, là, c'est le meilleur moment. Là vraiment dans ce tuto là, la base elle est super simple. Et là, on s'amuse sur la déco, quoi. On s'amuse avec les restes de papier, comme vous voyez que j'ai fait. J'ai utilisé tous mes restes de papier. Pour la Saint-Valentin, j'ai toujours utilisé le set de tampons bourriquet, donc qui est gratuit jusqu'au 28 février. N'oubliez pas, il y en a d'autres aussi de gratuits. Mais moi, j'ai pris celui-là parce que je le trouvais trop choupinou. Y compris pour faire les cartes d'anniversaire, je trouve ça trop chouette. Hop. Et je me suis même pas trompée dans le sens des cœurs alors que j'ai même pas regardé. Je commence à devenir une experte, je vous le dis. Une experte. Hop, allez, je vous fais un peu de place sur la table quand même pour que vous voyez ce qui se passe maintenant. Hop, les petits bouts, on les garde, on les garde, on les garde. Ça va toujours servir, ça on range, ça on range. Ça, je range. Je mets mes petits bouts. Donc, et ben, hop, et voilà, on a fini la déco de notre carte. Je vais juste récupérer un papier. Donc voilà, live numéro, on est quoi, on est quatrième là déjà. Live numéro 4, donc une carte pour plusieurs cartes. Une carte multicarte, donc vous voyez, on a fait le thème Saint-Valentin, on a utilisé les bourriquets. Donc la base, n'hésitez pas à regarder le replay pour... bien avoir les mesures de la base, donc je vous montre la première ouverture, deuxième ouverture, troisième ouverture, et on revient au début. Voilà, nous avons une petite carte pour la Saint-Valentin. Et ben, je vous remercie d'avoir participé à ce live, je vous remercie de l'interaction, ça fait toujours plaisir. Donc si vous avez la moindre question, n'oubliez pas un petit message sur Messenger, vous allez sur ma page Facebook, les scraps de Zaza, vous m'envoyez un petit message et puis je vous réponds. Si vous avez aussi une question sur un des produits que j'ai montré ce matin, n'hésitez pas, surtout... j'ai utilisé ça ce matin, j'ai utilisé donc du coup le bourriquet que j'ai gagné, j'ai pris feuille blanche et j'ai pris la feuille des plis en chemin, le coupe-papier bien sûr, donc surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis je vous guiderai dans vos démarches et puis pour accomplir vos projets. Alors c'est quoi demain? T'es impatiente. Alors effectivement, d'habitude, à chaque fin de live, je vous montre le projet de demain. Mais là, je n'avais pas envie de vous le montrer. Je vais juste vous mettre des indices. Voilà, donc pour demain. On se retrouve demain à 10h. Et on va scraper pour ça, avec ça, en évitant ça. Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir jusqu'à demain. Donc on se retrouve demain à 10h. Ah, et
Grâce à Guillaume, j'ai enfin une chaîne YouTube aussi. Donc vous pouvez retrouver aussi tous les lives qu'on fait ensemble. Là, il y en a déjà trois. Sur la chaîne YouTube, du coup, c'est les scraps de Zaza. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça va, Tassane, toi? Tassane, mais c'est peut-être pas ça qu'on va utiliser. Tu verras demain. Surprise. Voilà, aujourd'hui, j'ai juste décidé de vous mettre des petits indices. On a fini notre carte bourriquet. Je vous remercie tous. Je reste disponible pour toutes vos questions. N'hésitez pas surtout. N'oubliez pas Celebration jusqu'au 28 février. Hein, si vous vraiment le set bourriquet vous tente, faites-vous plaisir et du coup vous avez le cadeau gratuit, gentil bourriquet. Voilà, c'est franchement super celui-là. Et demain je suis en repos aussi. Bah, du coup on se revoit demain, Nso, hein, fidèle au poste. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve demain.